On va apprendre donc qu'est-ce que est un chien, d'où est-ce qu'il vient, et comment se comporter avec lui de la bonne manière pour éviter de se faire mordre ou qu'il y ait un accident. On s'aperçoit que les enfants ne savent pas forcément comment bien se comporter avec le chien. Il y a certaines choses à ne pas faire, même si c'est son chien. Notamment, lui faire des gros câlins, l'embrasser sur la truffe, lui souffler sur le visage. Le programme Pécram est fait pour les enfants. Et en fait, les enfants, généralement, retransmettent à leurs parents les gestes à faire ou à ne pas faire avec le chien. On reproduit les gestes à ne pas faire sur les peluches. Et généralement, on fait intervenir un de nos chiens, un chien donc vivant, pour reproduire les bons gestes. On essaye de sensibiliser les clients au monde animal. On essaye d'organiser les ateliers le plus couramment possible. Ça nous permet de créer une relation également beaucoup plus importante auprès de notre clientèle et de lui faire découvrir des nouvelles choses. J'ai appris plein de choses, de ne pas embêter un chien qui dort.